Bonjour, mon nom est Mariette Jean-Duguay. Je suis chargée de projet pour un projet de recherche pour la Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick, la FANB, qui a pour mandat la promotion, la sensibilisation et la conscientisation de tous les Néo-Brunswickois par une concertation des intervenants et des apprenants en alphabétisation. Elle a aussi un service de consultation et d'information qui aide à faire la liaison entre les membres du réseau, les divers programmes et associations en alphabétisation. Le projet tente d'étudier les liens entre le besoin de développement de compétences chez les travailleurs et les travailleuses en emploi et sans emploi et leur intégration ou leur maintien sur le marché du travail. Le projet devra proposer des modèles de développement de compétences en ce sens qui devront être pertinents pour les milieux ruraux et semi-urbains partout au Canada. Pour ce faire, le projet a enquêté sur les besoins, les obstacles et les pistes de solutions dans le contexte de développement de compétences pour les travailleurs en emploi et les chercheurs d'emploi pour le nord-est du Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire pour les régions de Ristigouche, de Chaleur et de la péninsule acadienne. Les compétences dont le projet a tenu compte sont les compétences essentielles, génériques, langagières et techniques. Pour parrainer ce projet de recherche, la FANB s'est associée à différents partenaires tels que la FCAF, la Fédération canadienne de l'alphabétisation pour le français, le REDI Nouveau-Brunswick, le Réseau de développement économique et d'employabilité et certains ministères du gouvernement provincial, tels que celui de l'éducation postsecondaire, formation et travail, et celui du développement social. Et pour ce faire, l'équipe de Moi, mes compétences et apprendre pour le travail a fait des rencontres avec les employeurs des régions du nord-est du Nouveau-Brunswick, des recherches sur les outils et modèles disponibles dans la revue littéraire. Ils ont fait aussi des groupes focus et entrevues avec différents intervenants du milieu. L'équipe « Moi, mes compétences et apprendre pour le travail » a développé des modèles de formation pour les besoins des différents intervenants des milieux visés. Des modèles pour le milieu de travail sont axés sur les besoins de l'entreprise, de l'industrie et des employés. Pour l'intégration au travail, nos modèles sont axés sur l'intention de formation de base, l'intention d'intégration à l'employabilité et l'intention de qualifier pour l'industrie. La FANB est en partenariat avec le CEDAF, et ce depuis le début du projet, ce qui nous permet de bien outiller les enseignants et enseignantes en alphabétisation et les formateurs formatrices des compétences essentielles au travail, les CET ici au Nouveau-Brunswick, lors de formations et d'ateliers pour développer les compétences, avec les différentes trousses qui se trouvent sur le site du CEDAF. Tous les secteurs de travail, les mines, les pêches, la foresterie et même les secteurs manufacturiers et industriels nécessitent une connaissance des CET pour bien performer au travail. Merci.